Hey, what's up gamers, c'est Bilou et aujourd'hui on se retrouve pour mon best-of de l'année 2023. Au début de l'année 2023, on était à peu près 179-180 abonnés. Aujourd'hui, on est à 250. Beaucoup de choses ont changé en 2023 et beaucoup de choses changeront en 2024. Mes vidéos sont selon moi enfin plus dynamiques. J'ai vraiment amélioré mon montage et je continue à l'améliorer. Je travaille aussi à renforcer mon style de montage. Je suis fier de beaucoup des vidéos que j'ai sorties cette année, que ce soit toutes les vidéos sur les backrooms qui sont à mon avis extrêmement drôles, la vidéo sur Destiny 2, toutes sortes de vidéos vraiment. Je suis aussi vraiment content d'avoir fait autant de vidéos et de streams avec mon père. Je trouve ça vraiment bien que j'ai la chance de passer autant de moments de qualité avec. D'ailleurs, vous semblez bien l'aimer aussi sur Twitch, donc ça fait plaisir. Ça paraît pas, mais en 2024, on va fêter les 10 ans de ma chaîne YouTube. Les 10 ans de ma première vidéo. Le 24 août, si je me trompe pas. À savoir que j'ai eu 20 ans récemment, donc comptez ça comme vous voulez. Ça va bientôt faire la moitié de ma vie que je fais des vidéos sur YouTube. Si ça, c'est pas de la dédication, je sais pas ce que c'est. Je stream beaucoup plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch. Le lien est dans la description, bien évidemment. Je suis en live tous les soirs à partir de à peu près 20h30 heure du Québec, soit 2h du matin en France, si je me trompe pas. Je suis en live aussi parfois plus tôt dans la journée, ça dépend, pas tout le temps étant donné que je travaille beaucoup sur mes choses à côté. D'ailleurs, on va y revenir. J'ai commencé beaucoup de gros projets cette année. D'ailleurs, ils sont pas finis. Pour vous donner un peu plus d'informations, ça concerne majoritairement la team BEMS. D'ailleurs, on est rendu avec un Discord, justement. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer c'est quoi la team BEMS. Mais, pour les nouveaux arrivants, la team BEMS, c'est un projet que je veux faire depuis vraiment longtemps. Honnêtement, je pense que ça va facilement faire 6-7 ans. Là, j'en parle avec les gars. J'aimerais créer une team slash une structure québécoise. D'e-sport et de créateurs de contenu. Un peu à l'image de la phase, justement, où certains membres sont que des créateurs de contenu, d'autres font de la compétition, etc. Parce que je trouve vraiment que l'e-sport est pas représenté au Québec. Du moins, pas beaucoup. C'est vraiment niche. C'est si tu connais ça, tu connais. Puis souvent, dans l'e-sport, on a pas beaucoup de Québécois. Puis même si ça m'étonnerait que ça atteigne une grande échelle, j'ai quand même envie d'essayer d'apporter un peu de visibilité à l'e-sport au Québec. J'ai aussi envie d'aider d'autres créateurs de contenu à grandir, à leur apprendre un peu, entre guillemets, les ficelles du métier. Je sais que je suis loin d'être un grand YouTuber, mais veux pas, ça fait 10 ans que je fais ça. Je sais quand même comment bien faire certaines choses, par exemple le montage, les logos et tout. C'est toutes des choses que je fais moi-même. J'ai fait beaucoup de logos pour des gens cette année. D'ailleurs, je risque d'en avoir d'autres à faire pour la suite. Je suis vraiment loin d'être le meilleur, mais écoutez, je fais de mon mieux. On essaie toujours d'apprendre. Comme dirait Léo Techmaker, on n'arrête jamais d'apprendre. Mais bon, tout ça, ça avance vraiment pas mal. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitch ou à me poser des questions sur le Discord. Je suis toujours heureux d'en répondre et d'en parler. D'un point de vue personnel aussi, les choses ont beaucoup changé. J'essaie de me remettre en forme depuis longtemps. Ceux qui me suivent sur Twitch sont déjà au courant. Ça va faire un peu plus d'un an que je travaille pour me remettre en forme et perdre du poids et bordel, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, si on compare moi maintenant à moi il y a 2 ans, je pense que la différence est assez flagrante hein, quand même. Sinon, je suis vraiment content. J'ai réussi à tenir les résolutions que je m'étais donné pour 2023. Parlant de résolutions, j'en ai quelques-unes pour 2024. Donc, en termes de résolution personnelle, je dirais. Je veux continuer de me tenir en forme et perdre encore plus de poids, ça va de soi. Je surprends personne là-dessus. Tout le monde veut être en forme le plus possible, je pense. Je veux continuer aussi de m'améliorer en tant que personne parce que je pense qu'il y a toujours moyen qu'on devienne une personne meilleure. Il y a toujours moyen qu'on fasse plus d'efforts, donc je veux vraiment travailler là-dessus, la discipline, etc. Et troisièmement, je veux rester actif mentalement. Ça, si vous comprenez pas trop, c'est un peu normal. Je vais vous expliquer. Étant donné que je travaille plus, ça fait longtemps à cause de ma main, je fais plus grand-chose de mes journées. Mais j'ai continué d'apprendre plusieurs choses en 2023. J'ai renforcé mes connaissances en montage. Je pense pas que vous comprenez le nombre de tutos et de formations que j'ai bouffé pour essayer de devenir meilleur. Et encore là, je suis toujours pas parfait, là. Mais c'est déjà ça. Ça fait travailler mon mental, ça fait du bien ça aussi. J'ai continué d'apprendre un peu la programmation. Je suis vraiment nul à chier, là. Mon plus gros exploit, c'est d'avoir fait Flappy Bird moi-même. Donc, j'ai aussi appris un peu la modélisation 3D en 2022 ou en 2023, je pense. D'ailleurs, j'ai continué de pratiquer et d'apprendre. Je vous mets pas d'image parce que c'est nul à chier, vraiment. Peut-être si je deviens meilleur un jour, vous allez en voir. Mais si ça vous intéresse, sur mon live, souvent, on voit mon fond d'écran de mon ordi que c'est moi qui ai fait. C'est pas... Ben, je peux vous le mettre ici si vous voulez. C'est vraiment pas impressionnant, mais juste reste quand même
même que j'apprends tranquillement. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer d'apprendre plein de choses comme ça en 2024. Et veux pas, ça, surtout la programmation, ça force à plonger dans les mathématiques et tout, donc je trouve ça quand même intéressant. En termes de mes résolutions sur les réseaux, je veux vraiment continuer d'améliorer la qualité globale de mes vidéos. J'ai pas mal amélioré le dynamisme de mes vidéos quand on compare aux deux dernières années. D'ailleurs, ça a été pas mal une de mes résolutions les plus constantes, si je peux dire ça comme ça, que ce soit dans mon best-of 2022, j'en parlais. Même au début de l'année 2023, j'en parlais un peu. Donc j'ai vraiment beaucoup amélioré ça. Il y a toujours place à l'amélioration, mais je pense vraiment que c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. D'ailleurs, il y a place à l'amélioration sur d'autres sujets, en termes de ma chaîne YouTube, je veux dire, donc je veux vraiment faire des efforts là-dessus. Deuxièmement, j'aimerais vraiment arrêter de prendre autant de retard sur mes vidéos. C'est pas une blague, des fois je peux avoir 20 vidéos en même temps qui attendent d'être montées et postées. Donc ça, j'ai vraiment envie d'améliorer ça parce que c'est pas tenable en fait, même si j'ai beaucoup de temps dans la journée, étant donné que j'essaie de me remettre en forme et tout, ça fait beaucoup de choses. Surtout que je dors vraiment mal et tout à cause de ma main, etc. Donc ça fait beaucoup de choses, puis ça me stresse un peu parce que j'ai toujours envie de faire du montage pour essayer d'avancer puis de m'en libérer. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais pas en tourner du tout tant que j'aurais pas sorti tout ce qui me reste à sortir que j'avais tourné en 2022. Comme ça va me laisser prendre pas de l'avance, mais ça va me laisser premièrement rattraper et après possiblement prendre de l'avance. Donc ça, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Ça va aussi me permettre de streamer plus parce que j'aurais pas besoin d'autres si souvent faire du montage. Troisièmement, je veux avancer mes projets. Il y a beaucoup de gros projets que j'ai eu en tête cette année que j'ai commencé, surtout vers mi-2023, fin 2023. Ça a pas beaucoup avancé, mais j'ai hâte de vous en parler plus que ça. Je veux pas trop en parler trop vite parce que j'ai pas envie d'avoir trop de pression, honnêtement. Déjà que là, je me mets la pression moi-même, puis je me fais mettre la pression un peu par les autres gens qui m'aident et me soutiennent là-dessus. Rien de méchant, juste ils me posent souvent des questions sur comment ça avance. Et malheureusement, la plupart du temps, la réponse c'est ça avance pas parce que je fais que du putain de montage. Quatrièmement, j'aimerais vraiment continuer de stream. Peut-être même plus, comme je disais, si j'ai la possibilité d'avoir plus de temps pour stream dans le jour avec mes montages. J'adore streamer, j'adore quand il y a des gens qui viennent parler. Vraiment, c'est incroyable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Venez dire salut. Et dernièrement, j'aimerais vraiment continuer de me faire plaisir et de créer des souvenirs. Que ce soit avec mon père, avec mes amis, juste avec moi-même, en faisant mon montage du best-of, parce que je tourne ça en ayant terminé le montage. La petite intro, je vais juste le rajouter après. En faisant le montage de ça, je me suis vraiment rendu compte des moments qui sont arrivés que si c'était pas que je les avais mis sur YouTube, je m'en rappelais pas. Pas du tout, puis je trouve ça incroyable, premièrement, d'avoir quelque chose que je pense que les autres peuvent apprécier, mais aussi d'avoir quelque chose que moi, personnellement, ou même juste moi avec mes amis, avec mon père même, d'avoir quelque chose qu'on peut retourner dessus pour avoir concrètement, comme, avoir des souvenirs concrets, donc des souvenirs pas tangibles parce que ça reste digital, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je saurais pas comment décrire ce que ça m'a fait en montant le best-of, honnêtement. Il y a des fois où je mettais des bouts, puis j'étais comme, ah, j'avais complètement oublié ça, puis je trouvais ça drôle et tout. Donc, j'aimerais vraiment continuer de faire ça. C'est ma plus grosse résolution, je dirais. Donc sur ce, je vous laisse avec mon best-of de l'année 2023. J'espère que vous allez l'apprécier. Et je vais terminer par vous dire bonne vidéo et bonne année en retard. En espérant que l'année 2024 soit plein de succès, de folie et de joie pour vous, pour moi, pour tout le monde. Bonne vidéo. Non! J'avais la quad! Non! Mais je suis tellement... Ça m'énerve! Je crois qu'on a... la MK2 en or. Ouais! Magnifique. Okay. Je pense que j'ai eu une quad! Je pense que j'ai eu une quad! Mais je pense que je l'ai pas vu à cause que j'ai été flash. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en compagnie d'El Padre. Bonjour El Padre. Hello. Qui est derrière la caméra, comme d'habitude, c'est mon caméraman, c'est El Padre caméraman. On a le couteau spécial d'unboxing ici. On va l'ouvrir. Bilou, dis-nous, ouais. Quels sont les avantages d'avoir cette manette? Tu peux flex, t'as l'air riche. Faut trouver. Oh! Arrêtez! Putain, Crosscom! Oh, attends! Cross. Oh mon dieu, le crunch est tellement rapide. Attends. Tu peux passer à la phase mon genre avec les acides de Bonnie. Krieger, les amis, faut qu'on détienne à Krieger, ok? Ok.
On a deux points. Moi, j'attends. Arrête de parler une game, Sam. Yo, j'adore à quel point on est confiant jusqu'à ce qu'on tombe sur le gars. Je vous garantis que les premiers à crier puis à s'enfuir, c'est Sean et Emery. Je dis ça, 30 secondes après, tu me vois au fond de la salle. Ah! Et pour 30 secondes. What the f... Courir pour mon vie! Ah, bye, Sean! Mais... Attends, t'as vu pour le vrai, Jean, le gros bâtard? Si, vous êtes tous les boys, vous êtes toujours dans AFD. Il est parti à l'autre bout du monde à gauche. Emery, qui est où? Sean. Oh, pour ta vie, Sean! Problème, Sean. Tu l'as fait se bloquer devant la porte. Ouais, tu dois prendre une pour l'équipe. Bon, ben, je suis mort. Le jumpscare est plus la merde. On est de retour? On va-tu dans la petite affaire? Oh, il faut un code, ok. Il faut un code. Comment il faut un code? Ok, ah, attends, oui. J'essaye au hasard si je l'ai, c'est ça. Okay, good. Il faut 4 nombres de couleurs différentes, ok. Je l'ai eu! Non, le. Non, fucking way. Bon, ben. Bon, ben. Bon, get good, bro. Normalement, il n'y a pas tant de combinaisons que ça, il y en a seulement 16, non? Clip ça, Simon, s'il te plaît. Oh mon dieu, il est derrière nous, les boys. Oh mon dieu. Yo. Adios. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Help, je veux pas des blocs. Oh mon dieu, le gros bâtard. Emery, regardez. Aiden, champion de lancer de javelin depuis 2022. Il est parti vers l'infini et plus loin encore. Vas-y, bud. Ouh. Est-ce que je suis le seul qui vient de l'avoir se faire trancher la tête? Ouais, non. Non, non. Non, pas d'idée. Mais... Mais... Oh, salut! La map est cool, en tout cas. Ouais, elle est fun. Et t'as pas marché des kilomètres avant d'arriver à l'hôtel. Ouais, c'est... Le combat est proche et tout, c'est agréable. Je l'ai massacré. Non! Si le gars il avait pas un shield down, j'avais une collade pour la trip, puis après ça peut-être la quad. Ah ouais? Ouais. Magnifique intro, papa. Yes! Avec Emeric aussi et moi. C'est tout. T'avais oublié ça. T'avais oublié ça. Qu'est-ce? C'est les deux plus importants parce que moi je crève tout le temps. C'est important. La méchanceté. C'est moi qui sers le cobaye. Tu sais, le leurre pour les zombies, c'est moi. Ouais. Sauf qu'inquiète-toi pas, on te protège bien. Je cours pis je dis mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ouf. La petite trip. Ouh là là. Ouf, la trip x 2. Ouf. Un mot à dire avant la fin. Toi, il y a juste des gros boubets derrière aussi. Là. Oh. Dans le poster. Emery, un mot à dire avant la fin. Non. T'aurais pu dire ça, mettons, regarde. Yeah. Boubets. Bon, ça va. Ok, bon ben, on peut-tu dormir avant peut-être? Il y a une porte à ouvrir ici. Ne pas ouvrir la porte, d'accord? Les gars, un mois avant la fin. Je t'ai carré de crever. Hey, moi, je dors. Hey, moi aussi, je t'ai carré de crever, là. Ah, bah, ben, ouais, parfait. Fais-nous donc une belle intro, là. What's up, gamer? Vous êtes sur la chaîne de Bilou. Ben, ça fait l'affaire. Let's go. Hey, bro. Hey, bro. On fait un dropkick, dropkick. Oh. Let's go, dropkick! Combo de dropkick! Les gars, le feu, c'est parce que ça nous tue, nous aussi! C'est qui a mis tout le feu en mode purgatoire? Je sais pas, mais je sais que moi, je me suis ramassé dans un coin, puis c'est bien correct. Aimerais que tu m'as tué avec ton feu. Ouais, mais. Ouais, mais. Il a nettoyé la place. C'est un sacré. Bruh! Bon, ok. Let's go, on active ça au lieu que je me fasse défoncer par Aimerais. Let's go! Oh, tabarnak, papa! Fais attention quand tu vas rentrer ici ou est-ce que moi et Emery qu'on est. On essaye de toutes les buter, Emery? Il y a une rapace! Surtout qu'Emery, t'as comme alerté la rapace! Holy crap!
Il y a plusieurs rapaces, il y a plusieurs rapaces, il y a plusieurs rapaces, il y a plusieurs rapaces. Je suis pas safe. Après ça, tu te retournes puis tu sautes ici où on est. Fuck, t'as fait chier. J'ai passé go, j'ai pas réclamé 200. Ah, ben ouais, mais faut que tu le réclames ton 200. Cool. C'était plaisant. Yeah, hein, on a bien progressé aujourd'hui pour une fois, tabarnak, bon. On a le petit couteau d'unboxing comme d'habitude, déjà premièrement. Encore une fois, la boîte Sony, on peut jamais se tromper avec leur emballage. Ils ont le don de vendre du rêve, je trouve. Oh, avec le beau petit bruit là, c'était pas trop satisfaisant. Ouverture de la boîte, vous voyez avant moi. Y'a rien. C'est une boîte vide. Voilà, encore plus de satisfaction et oh non, je l'ai déjà ouvert! Petit reveal en retard. Pam! Le PSVR 2. Bon, viens papa, on va sauter dans le vide. Puis Emmerich, ben il fait... Emmerich, c'est Emmerich. Yo! Oh my god! J'ai vraiment... Papa, ouvre ton parachute tôt, hein! Oui. J'ai failli crever sur un parapente, Emmerich. Et toi. Puis là, il y a une échelle. Puis là, on vient comme ça, puis... Pouf. T'as une échelle, toi. Vous me voyez dans le vide, en gros, quand je suis de même. Oui. Ouais. Attends, prends un screen, Emmerich, prends un screen, puis on va me le... Attends... Pas d'échelle ici. Vous me voyez vraiment dans le vide. C'est vraiment con, t'as juste un gars qui s'agrippe sur le pote. C'est comme s'il faisait genre l'amour au poteau. Vous venez t'aider d'abord, attends. Je pensais que vous l'aviez, je suis désolé. Il y a une échelle. Ouais? Check la photo que je t'ai envoyée. C'est bon, man. Je vais voir, papa, je te jure qu'il y a une échelle. Check la photo! Non, attends, mais viens me prendre en photo d'en avant, Emery. Je peux voir qu'on est dans le vide. Attends, regarde-moi, papa, regarde-moi. Ah ouais. T'es carrément dans le vide. Mais de mon point de vue, il y a vraiment une échelle. Fait que vous pouvez passer au travail, attends. Pas d'échelle là, man. Pas d'échelle. Hey, viens-moi, Nathan. Viens-moi. Attends, j'arrive. Dude, les gars. Ben, c'est pour ça que je t'en disais. C'est quelle échelle? Attends, regarde-moi, mais pas une photo. C'est de calice. Non, voilà une échelle. L'échelle vient d'apparaître. Parce que je l'ai fait descendre. Ah, je vous garantis que c'est ma miniature, ça. Ah! Hey, what's up, gamers? C'est Bilou Malade. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau jeu de Ubisoft gratuit, X-Defiant. En compagnie de, pour la première fois sur ma chaîne YouTube, Scope. Salut, Scope. Salut, salut! Tiens, c'est vraiment les kills. Ouh! Donc. La double feed? Même... La triple feed, oh, oh. Let's go! Oh my god! La cou- Est-ce que c'était le quad? La quad, je pense! C'est le quad. La quad c'est feed! Quad split, la première quad feed sur X-Defiant! Let's go, good. Mon gars! Oh, elle était dégueulasse, ouais. Mais la première quad feed! Bon, il m'a donné du riz. Il est asiatique? J'allais faire la même joke. Le pire, c'est que je me suis dit, je vais le dire, mais je ferai pas la joke, pis je suis sûr qu'Emeric va la dire ou mon père va la dire, même je vais pouvoir dire que j'allais la dire, pis que ça serait drôle, mais finalement, c'était pas drôle. On y va? Bon, en plein autre. Ouais, y'en a pas eu assez. Là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, je vous demanderai s'il vous plaît de liker, partager, commenter, vous abonner. C'est la meilleure façon de Emeric casser que tu calisses. What the fuck? Ça va pas bien! Ça, c'est moi d'habitude qui trouve des bugs partout dans les jeux, pas toi, Emeric! Attends, ouais, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Emeric, what the attends, fuck? Attends, je veux venir, Emeric! Comment t'as fait ça? Deux hosties de mongol. Accroupis-toi! Accroupis-toi!
Vous avez l'air de deux gars en train de pit-pit en arrière caché dans un trou. Esti. Oh non, je suis bloqué aussi. Attends, je suis sûr que je vais aller plus loin. Alors, on vous souhaite la bienvenue à la Fierté Guy. Ok, c'est une machine XP, c'est une machine XP. Pourquoi? Parce que si je fais juste le code du mur, je gagne genre 30 XP à chaque fois que je le fais. Ok, c'est bon, ok, bon! J'ai un vrai mauvais feeling. Ouais. I've got a feeling. Wear a mask! Ah ben ouais, c'était écrit wear a mask. COVID! Elle va crever ou un truc de même, dude. Parce que genre, depuis tantôt que je faisais mon instinct de survie, pis il y avait plein de zombies. Ça se trouve qu'elle est juste à côté d'une porte où il y avait des zombies. Quoi, man? Moi, elle aimerait qu'il nous ait dépassé, man. Ouais, c'est parce qu'elle aimerait qu'il y ait une compétence qui fait en sorte qu'il va plus vite quand il est dans accroupi ou quoi de même. Bon, tu veux te faire l'intro, là, toi qui t'as payé autant ma gueule que ça? Ah ouais, non, hein? Suck my dick, Tracy. Non, c'est pas ça. Ah ouais, le comique, là. Non, je le fais pas. Ah ouais, le comique, là, fais l'intro. Ok, t'arrêtes-tu de danser à samba, là, bah ouais? Aimerais que je fais l'intro, toi? Non. Ah, hein, vous parlez de moi, mais vous êtes pas capable de faire ce que je fais. Yo, ouais, mec. Regarde-moi. Bisous. Là, t'en sors, ça, vraiment. Oh my god, un engine. Non, il m'a tué. Bref, Nat. Attends. What the fuck? Oh! Ça m'a tellement fait peur! C'était quoi? Je sais pas, j'ai entendu! Sa tronçonneuse a explosé? Ses intestins ont explosé. Non, il y a une ceinture d'intestin. Ah, ben en tapant sa tête. Ah oui, attends, parlant de tête, c'est ça que je vais te montrer, Sam. Sam, bisous. Mouah. Et what's up gamers, c'est Bilou et aujourd'hui on se retrouve pour, je pense, l'épisode 27, 26, peut-être 28, j'en ai rien à foutre, de Dying Light 2 en compagnie de le Padre d'Emeric. Ow! Puis là, t'as juste Kyle Crane qui apparaît de nulle part, là, tu sais. Il arrive, il lui craque la nuque! Comme dans le premier. Non, mais ça, c'est inestimable. Craque la nuque, aussi. J'adore! Hey, c'est sérieux, un quatrième. Hey, ça va, ouais, c'est ça, ça va, le Neverending Fight, aussi. Ouais, je l'ai vu, la manette. Elle brille toutes sortes de couleurs. Ah, mais là, regardez le nombre de dégâts qu'on y met, faut juste le rattraper, en vrai. Et what's up, gamers, c'est Bilou, et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Alien et d'Emeric pour, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pas une blague ou un poisson d'avril en retard. Roblox, bonjour les boys. Ok, allez-y, rusher dedans. Voilà. Ouf. Ouais, yo, pourquoi le gars en avant, il a la tête de Sigma, son skin? Regarde! What? What the fuck? Bro! Bro! What the fuck? J'ai deux marqué ça, man! Je sais pas! This dude! Non, c'est pas la bonne ça. Je le savais! J'ai voulu reculer, il me soquait, dude! Il me fait. Serait temps qu'il introduise un nouvel ennemi là, ça commence à être long, hein, ce gars. Moi, je voulais. Ah! Oui, Le karma que je viens! C'était fait enculer par toi? Une araignée! Scope, s'il te plaît, clip! Le karma que je viens de me bouffer, bro! He propelled me out of space! Non, Emeric aussi! Non! Oh! Oh! Bye, Emeric! No, I'm saving myself. I'm an Orkin. I'm a warlock. I'm an Orkin? I'm an Orkin, t'es vrai?
Chris. Non, ouais, c'est ça, c'est bon. Un warlock. Ouais, 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 ouais. Bien rattrapé, bro. Ah, faut qu'on a un doudou, Liz. Je trouve ça drôle. Nothing happened. Oh, dude. Oui. Non. Allez. Ah, il est à 100. Il est à 100. Ah, il est à ma longueur de queue, Carly. Oh, il est mort. Il est mort. What? Je pense qu'on n'est pas supposé d'être pris ici, les gars. On n'aura pas le chest. La tête du gond, j'étais sûr que c'était un steak haché aussi. Oh, 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 c'est tellement beau. Oh. Oh, tabarnak, c'est violent! Aïe, aïe. Oh, wow, c'est tellement beau! Oh my god! Ah, c'est violent, là! Oh my god, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? The fuck! Les gars, c'est dans cette grotte-là, il y a un requin. Les gars, il y a un requin. Il y a un petit boisson énergisant. Ok, attention, parce qu'il y a un requin dans l'eau. C'est non vrai. T'as eu le requin? Dans l'eau. Hey, courageux, Emmerick! je me suis chié dessus en le faisant, mais bon. Qu'on lui dit, il y a un requin, Emmerick est comme, yeah, je vais aller lui faire le plus gros câlin de sa vie, mon homme! Oh, il est là. C'est quoi ça? Les gars? Il y a un... Ah! What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est gros! T'as mais vu, je peux non? Pas. Attends, chacun son tour. What the fuck? C'était Roger, non, c'était pas Roger, c'était il fait peur, c'est tout. Y'a un bébé! Y'a un bébé! Attends, je peux taiser le bébé? Attends, mais on a pas d'utiliser à l'infini, hein. Qu'est-ce qui vient d'exploser? C'est quoi qui a explosé? Je sais pas. Aimerais que tu peux venir nous rendre, s'il te plaît? Ouais. Check bien ça. Oh, vas-y! Vas-y! Je te regarde. J'essaye, ok? Vas-y, vas-y, vas-y. J'essaye. Attends, je vais me prendre une belle vue, là. Ouh! Oh! Oh! Tabarnak! T'aurais dû donner un dropkick dans les airs, là, ça aurait été encore mieux. Attends, à quoi si je fais ça? Non, mais Alex, tu vas pas être dur à voir en fait. Toi, t'es celui qui balance ses bras comme un Teletubbies. C'est j'aime qui regarde la craque dans le mur? Ah ouais, c'est pas un Glory Hole! C'est pas moi! C'est pas moi qui le garde! C'est pas moi! Amène ton cul! Non, non, non! Mais dude, you're serving ass, Johnny! You want to tape! Bouge! Arrête de sucer le trou! Sur le personnage! Close my friend! Il t'y pose! Bon, il montre sa dominance! Colin! Colin! Non, je peux pas! Tiens, tout ce que je peux faire, c'est te montrer ça, go! Enlevez vos mains, j'arrive pas! Je l'ai eu! Scope clip, s'il te plaît! Gamer, fuck off! Vas-y, vas-y! Restez là! Ah, faut chier, man! T'as-tu vraiment eu peur? Non, non, moi je reste. T'es fuck off, moi je reste là. Mais je viens de comprendre pourquoi je me rappelle mieux du jeu que vous, en fait. Parce que j'ai aussi monté la vidéo. Hey, no shit! C'est bon? Bye bye, les amis, c'est Sean! Bye bye, les amis! Bye bye, les amis! Pourquoi vous regardez la Tania? Je sais pas, mais continuez mon travail. Bye bye. Bye bye. Je suis de Daniel là, c'est gueule, moi qui parle. Ta oh! Pada pada pada! Bah! Par-dessus la troisième corde! C'est ça que j'allais dire, dude! Ah. Ouais, c'était complètement gratuit ça. T'es un grenadier, pas de problème. Grenadier Walker, grenadier. Enfuis, attends, on va te descendre pas. Non! What the heck? Il y avait un grenadier. Oh, papa! Non, venez voir, il y a une licorne géante dans la pièce en face. C'est Simon, tu serais content. Ouais, effectivement. Attendez, on emmène la licorne avec nous le plus loin qu'on peut. T'es sérieux, là, tu veux perdre ton temps sur une licorne? Oui, elle est cute, là, c'est mon ami. Oh! Faisait des photos spéciales. Oh! C'est Jackie et Michel. Non. Oh, ben, qu'il n'y a pas d'allure, l'autre est en boxeur.
t'en bats bien. Regarde, attends. Ah, oh, c'est pas propre en plus. Bon. Esta entrado en una zone de muerte. Vous entrez dans une zone de mort. C'est entrée d'une zone de mort. Attends, je vais essayer, attends. Dese la vuelta ahora. Ça veut dire défense d'entrée, on ouvre le feu. En bonbon rouge, assumir infectado y eliminar, c'est toutes les infectés seront éliminés. C'est ça? Assumer que toutes les infectés seront éliminés. Ok. No hay presencia militar permanente, AIE, reglas de combat. Assumir infectado y eliminar, si je crois bien, c'est assumer les infectés et éliminer. Ok. Puis dans le milieu, en gros, c'est écrit cette présence militaire est permanente à des fins de combat. Il n'y a pas de présence militaire permanente. Excellent anglais, c'est. Oh! Oh, ben on s'en va, hein, après m'être fait ridiculiser. En 3 saisons, je dirais, je suis arrivé de diamant à champion 2. Fait que c'est vraiment une bonne amélioration là-dessus aussi. Le fils de pute, j'aurais pu avoir une quad. Oh, la quad feed! Oh, let's go! Oh, la quad feed pour la vidéo, nice! Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué en plus. Bon, split, mais quad feed quand même. Je pensais pas que la cote ça me tuerait par contre. Hey, what's up gamers? Ah oh, ouais, je t'invite. Ah non, vas-y, t'es un peu parti, let's go, t'es capable, pas? Je crois en toi. Hey, Amrik, viens avec moi. On va tourner un truc là, viens. Yeah. Et là, je te poursuis pour agression. Hey, t'étais consentant. Oh my god. Les gars, mettez-vous sur le fond vert là, pis dites-moi sur quoi vous voulez que je vous incruste. Vous voulez être où là? Au Vésuve. Au Vésuve, ok, attends. Au Vésuve là? Là, ouais. Là, vous êtes au Vésuve, vous voulez être. Tu vas être où toi là, pas? Mais là, je suis écrasé sur la roche, Je suis écrasé sur une roche de Pompéi. Ah, ok. Tu vas être où toi là, pas? Dans le ventre de ma mère. Ça va être un peu compliqué. Je vais être dans mon lit. Ok, parfait. Attends-toi pas encore, là. Une dernière place, pas, let's go. En haut de l'Everest. Parfait, t'es en haut de l'Everest, là. C'est quoi ta réaction? Wow. Non, mais je vois vraiment quelqu'un, genre, aller en haut de l'Everest, je vais faire wow. Wow. Oh oui, attendez, mettez-vous devant pendant que je fais l'intro. Mettez-vous devant le feu pendant que je fais l'intro, c'est drôle. Non, pas dans le feu! Je vais exploser là. Vite! Oh, il est pas mort. Ok, faut remettre le feu là. Ce qui est con! Esti. Yes, on a juste aimé qu'il vienne de se faire exploser. Il y a des tendances suicidaires, faut y pardonner. Ok. Tant peu, je vais fermer ma porte, je pense, parce que je vais entendre le chat sinon. Et dans ma chambre, ça va pas bien, hein? J'ai-tu dans la vidéo en plein milieu de cinématique où genre quelqu'un est en train de se faire manger par un zombie, t'entends juste eh wow! Eh wow! What's up gamers? What's up gamers? Vous le faites ou non, là? On a fait à moitié, on placera le reste. Je viens de remarquer, pas en te regardant, mais dans l'œil droit de Jacob, il fait du glaucome. C'est vrai! À moins que je me trompe de mot, là. Parce que, attends, viens voir. Vraiment, t'as l'œil droit blanc. Ok, ça c'est, on appelle ça des cataractes. Et cataractes, c'est ça. C'est pas glaucome qu'on dit aussi? On s'en dit pas une fois? Anyway. Oh, motherfuckers. Look, we got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soap monsters everywhere. What I think. What? Hey, what you fucking think, Ryan? I think. Hey, guys. Succès violent. What's it? Bon, lui, il va vous jump scare. Je le savais! Nique ta mère!
Pog si tu veux qu'on s'entende. Est-ce que c'était le blob ça? C'était la tête de... Ouais. C'était le blob? Hey what's up, gamers, c'est Billy. Aujourd'hui on se retrouve pour le épisode 2, ça faisait du sens le français, de Five Nights at Freddy's Security Breach. C'est parfait. Bonsoir. Je suis la personne qui lag, qui s'en va, puis je... c'est ça. Oh, j'aurais dit que tu serais encore suicidé. Oh. Putain de vos mères de moi. Oh, mon cochon, t'as aimé ça, t'as fait une cliquette. T'as pas hésité une seconde à aller dedans. Ben, c'est parce que ça a la texture de tout ce qu'on peut traverser depuis le début, tu vois? Non, non. Là, c'était liquide. Lui, il va se retourner. Ça, c'est bref à quelque chose, c'est pas possible. La petite Tannic? Ouais! J'aime non, juste ça! Ouais, son petit point, là! Là, il est thumbs up! T'es un peu à la... Pas que, un peu à la, le gars dans Sons of the Forest, là. Ouais. Damn! Ah. C'est le gars. Oui, avait... oui t'avais Jean-Paul... Oh de... yes! Ça oh, va yes. Le bug? Ça va le bug de jeu? Bug de texture? Yeah! Oh, il y en a deux, yes! What the fuck? Ben, j'ai pas le temps. Ah, il y a un cadeau? Ouais, il y a un cadeau en dedans. Oh shit! Il y en a effectivement une coupe! Oh lord! Ça! Tu peux venir voir dans le crack ici. Check dans le crack là en te mettant. Faut que tu te mettes puis tu check vers la gauche. Y'en a une coupe? Screamers. Alpha c'est les walk, les marcheurs. Papa c'est les runners. Papa t'es un sprinter toi. Hey, on sort de l'autre bord là. Les gars, j'ai une chaise qui m'est attachée après. Les gars. Ouais. Regardez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir si la chaise est vraiment dans moi. Non. J'ai... C'est parce que j'ai une partie de chaise après moi, voilà, bon. Attends, allez-y, on va arrêter les baleines. Oui, on va se battre contre une baleine zombie. Oh dude, ça serait insane si t'avais raison. T'imagines, elle sort de l'eau, elle est immense, tu sais. Oh, je pensais qu'on taperait-tu, Oh. Et what's up gamers, c'est Billy, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 je crois de notre Let's Play 12. Sur Dead Island hier, 2. Attends, on était à 11? Non, hier on était à 10. Non, avant hier on était à 10. ça fait une bonne vidéo. Hey regarde, on se retrouve pour l'épisode je sais pas quoi, je vous emmerde, c'est écrit dans le titre de Dead Island 2 en compagnie d'Alpadré et d'Amérique, comment ça les boys? J'avais dit épisode 11 hier, voilà. Oh, fait que là c'est l'épisode 12 donc j'avais raison. C'est bon hein, ça prouve juste une chose, j'ai réussi à te mettre le doute. Mon si t'es pas gentil avec moi. Ta-la-la-la. Ah ouais, tu vas voir pas, ça va te faire du bien probablement d'apparaître rapidement. Parce que mon Alpadré est sur une PS5 aujourd'hui. Yes. Yeah. La PS5 du Padre. Cool. Eh, c'est bon, c'est pas long. Ah non, hein? Maintenant, tu comprends le nombre de temps que je vous entends, que je vous attends? Au moins, écoute un film. Je pense que t'as le temps aussi, Amérique. Je viens de tout me voler, hein. J'avais prévu de toutes les tuer, okay, c'était pas clair, hein. Non, mais quoi? I'm just calling to say I... J'avais une série de 20, j'ai envie de crever. Pourquoi j'ai continué de piquer comme un con de même, non? Attends, si je joue bien, il y a moyen. Si je joue bien, il y a moyen. Je stresse, mon gars. Série de 25? Je stresse, là. Il me faut un drone. Scope, je suis stressé. 28? 29? La nuque!
ma première douche, complète roue. Je fais ma première douche. Et regarde encore, dude. Sur ce... Yeah! On a fini le jeu! Ah, le jeu était tellement cool! Donc voilà, c'est tout pour notre let's play qui était relativement court comparé à d'autres let's play qu'on a fait, hein, que ce soit Resident Evil 8 ou Dying Light 2 ou peu importe. The Cat Deny. Bandit Duck sur moi. J'ai chié mon aim. Attention à un cam colimaçon. T'as été vu. Let's go! La fucking Let's game. Go, Belou! Voilà. 24 kills, 4 morts. 24 kills, 4 morts, la game. 24 voilà, putains de kills, 4 putains de morts, d'accord? J'ai un kill, 7 morts! Nouveau record! Man, ton jeu est pété. Ok, je suis là en haut, moi. Sam? Sam 2 chef. Whatever, je joue avec deux chefs. Whatever. Bienvenue chez Bam's Fuck Shit Help. Hey. Non, tu fais plus l'accuser. Comment? Je vais plus l'accuser. Ok. T'as essayé quelque chose en faux micro-ondes. Non. Ok. T'as laissé le faux micro-ondes fermé. Ferme-le pas. Comment? Ouvert. Je comprends pas. Bro. Ok, faut pas que je rappuie carré. Non. Please, éteins le feu. Please. Ok. Tapis moulant. Névier. Je viens de dupliquer le tapis moulant, les gars. What the fuck? Tu vois, ils payent, c'est un bon papa. Non, non, je les paye pas, mes employés, moi. Non. Ils ont même pas le droit à des dîners payés, rien. Ils travaillent ou rien. S'ils travaillent pas, je les tabasse. Regarde-moi ça. Moi, je bois de l'eau. Moi, j'aime ça quand mes employés font exactement comme ces deux-là. Moi, quand ils ont des problèmes de santé mentale, c'est bien, tu vois. Parce qu'après ça, je peux dire que je suis un endroit inclusif. Bah oui. Que j'engage les gens différents. Et dis-moi pas que c'est pas être différent d'être dans un coin en train de violer un plan. C'est mon boulot. En plus, t'étais dans le coin avec. Là, ça, c'était vraiment big brain de ma part, ok? Écoute ça. Parce que ça va. Je vais même l'expliquer à ce moment-là, puis ça sonne un peu comme si c'était pas vrai, mais c'était 100% vrai, ok? J'arrive. Simon me dit, attention à la cam colimaçon. Ça, on l'appelle l'escalier colimaçon parce qu'il monte en rond. Salut, Lin. Fait que là, Simon, il me dit, attention à la cam colimaçon. Tu vas l'entendre? Attention à la cam colimaçon. Fait que là, je check. Je vois qu'elle flash en orange. Le fait qu'elle flash en orange, ça veut dire que quelqu'un est en train de l'utiliser. Fait que moi, je me dis, il sait que je suis là. Il va m'attendre là. Fait que qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais pré-shot. Il est low, je les hit, je vais pré-shot. Boum. Let's go! Easy ace. Là, tout le monde fait le drop shot, là. Aïe, aïe. Oh! Let's go, let's go! Man, on a fait genre une 600 à 2. C'est belle profil. Pourquoi j'ai une mine? Tout le fight se passe au terrain de soccer ou quoi? Ouais, pas mal. Ouais. Dans Call of, en général, t'as tout le fight qui se passe à une place. Je sais juste que les spawns sont pas autant logiques. Le quatrième est où? Non! Bah, ok. J'ai failli ouais, vomir. C'est juste le niveau. Oh, pas l'œil. Non, non. Bon, j'ai eu. Qu'est-ce qu'il y avait là? Harry Potter. Oh. Non. J'ai compris pourquoi t'as. Tu vas aller chercher le kid. Dream? Dream, le YouTuber Minecraft? Y'a le YouTuber Minecraft Dream derrière ça. Oh. Oh. Ah, evidence. J'ai pas eu aucun. Toi qui ouvre okay, la porte c'est... sur moi m'a fait faire un petit saut, Alex. Ouais, mais écoute, pour moi, si on est ensemble, là, pis tu te mets à voler, là, comme dans ouais, Stranger Things, le là, je te mets de la musique. Pis oui, le pouvoir de l'amitié, je te dis. Si tu te mets à t'envoler pis à te contorsionner, comme dans Stranger Things, là, je vais te mettre de la musique pis tu vas redescendre pis le fantôme va se calmer, là, tu comprends? Je sais pas, mais l'étoile se complète. Non, moi, ça me tente pas. Ah! Oh my god, ça m'a eu, désolé. Oh! Péter les oreilles, waouh! Ah, je suis désolé, pardon. Non, non, mais j'ai vraiment moi aussi, je suis désolé, ça m'a fait vraiment fait. Vraiment, ça m'a vraiment eu, là. Je te l'avais dit, non, tu ne survivras pas. Oh, Blue! Yes, la coude!
5, 5! Non! Oh my god, Bulu, bro! T'es en feu? Yo, attends, je comprends, descends des marches, je vais sentir ton cul! Okay. Mais descends, mets-toi des marches, descends! Tu veux sentir mon cul, moi aussi? Oh my god, non, remets-toi et regarde mon live! Et je retire mon petit cul! Ton cul prend tout mon écran! Go, go! Oh, putain! Yo, what the fuck? Oh, je mets tout en ligne comme ça, on fait le train! Ton cul! Oh, il vient de faire triple! Ouais, il nous a fait une triple dessus. Il aime voyage aussi, il nous regarde le cul, puis il nous a mais moi... 12 pouces, 14 pouces, 36 pouces. Pour 5$ seulement. Elle a... Nous allons retrouver notre journaliste sur le terrain. Bonjour, Derek. Bonjour, bonjour. Non, faut que tu laisses le moment de silence awkward à chaque fois, le temps que la personne devant la caméra ait le temps de tout entendre. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Oh oui, attends, je le fais avec cette voix-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire personnellement. Je crois que je vais y aller avant de brûler toutes les cellules qui me restent dans mon cerveau. Ciao. Même s'il y en a. Allez-y. Aujourd'hui, on va juste jouer la nouvelle map, le nouveau snipe, mais je l'ai pas encore débloqué en tout cas. On se retrouve, c'est ça, game. Ok, ça répond à ma question, les gars. Si vous tirez trop sur un char, il explose dans votre gueule. Nice. Oh, Blue, go! Blue! C'est le clip! Mais je suis pas là! Mais j'étais pas concentré! Chante Cotton Eye Joe avec moi! If it had been from Cotton Eye Joe! Cotton Eye Joe! If it had been from Cotton Eye Joe, I'd be married! C'est la première fois que j'entends une expression et j'en veux plus. Non, je suis à chier. Ça y est, c'est la fin du monde. Putain, je suis mort. Adieu. Ah, adieu, ça c'est pour moi. Oh putain, j'ai te marqué le gars dans le fond, j'ai envie de pleurer. J'aurais pas marqué au moins avant de crever. Hey, what's up gamers, c'est Bilou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. J'allais dire World War 2, what the fuck. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de faire un trick shot. Oh my god, Derek, c'est sur mon live. Je viens de le voir sur le live. Est-ce que quelqu'un peut le clip, dude? Je clip ça. Déjà deux petits kills, let's go. Petit hit mark. Fallait s'y en... Ça fallait pas s'y en attendre, par contre, ça fait un peu chier même. Ah oui, comme d'hab aussi, je suis en retard, hein. J'en ai rien à foutre, je suis en retard surtout, c'est comme une marque de fabrique de ma chaîne YouTube. Et ça va faire 3 semaines que je travaille sur la même vidéo de l'Étale Compagnie, parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit excellente. Fait que ça vous donne une idée un peu. Hein? Elle est très très drôle, la vidéo à date. Très drôle. Ok, on avance dans le spawn. Le clip est devant, le clip est pas devant, je suis une merde. Le clip est devant, le clip est devant. Putain, pourquoi j'ai été mark? Et what's up gamers, c'est Bilou. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Emeric et de Penguin Something, d'Alien et d'Emeric, de peu importe, des boys. On est mort, bro. Vous donnez cette seule. Oh, bon, ben, je viens de foutre la merde dans le vide. C'est le truc. We're fighting and draw left. It's on VR chess server. Extreme VR chat server. No. Dead. Dead. Oh my god! 3 shots back à back! You saw que. Ah, ben, il est mort. Get fucked. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou! C'est ce que j'avais envie de dire, c'est ça, ciao et à la prochaine. Allez, zou. Sur ce, moi, je vous dis comme d'habitude. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, ciao et à la prochaine. Allez, zou. Zou. Sur ce, moi, ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, zou. Zou. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou.
Sur ce, ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Bon, bah, c'est tout. Bye bye. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Bon, bye. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. 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 Ciao et à la prochaine. Allez, faut venir juste sur la prochaine. Ciao et à la prochaine. Ok, on vous dit ça, là. Il y a de la zovicole. Yes. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Allez, zou. Dis ciao, à la prochaine. Allez, les gars, avec moi. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Ciao. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Allez, zou. Ciao, ciao. Dis ciao, et à la prochaine. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Et à la prochaine. Allez, zou. Allez, zou. Ciao, et à la prochaine. Allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Ah, je pensais que vous le diriez. Allez, zou. T'es un peu en retard. Mmh. Toi, Pat, tu le dis-tu aussi, allez, zou. Ciao et à la prochaine. Allez, zou. Vous dites même pas zou pour le dernier épisode. Allez, zou. Yeah. Bye bye. Bonne soirée et allez-y. Voilà, moi c'est comme d'habitude. Ciao et à la prochaine. Allez-y. Je le ferai pas. C'est même pas la moitié de mon nombre de kills. Comprends-tu ma frustration? Maintenant. Ciao et à la prochaine. Allez-y. Ciao et à la prochaine. Allez-y. C'est tout ce que j'avais à vous dire personnellement. Je crois que je vais y aller avant de brûler toutes les cellules qui me restent dans mon cerveau. Même s'il y en a. Allez-y. Ciao. Ciao.